je suis le ministre Mbagnick Ndiaye, ministre des Sports et de la Vie associative de la République du Sénégal. À l'occasion de la nouvelle année, permettez-moi de présenter mes vœux de bonne et heureuse année à toute la communauté sportive sénégalaise, mais également à la communauté africaine, parce que je suis également président de la Confédération africaine d'escrime. Je souhaite que l'année 2014 qui commence soit une année de réalisation des actions dégagées par le chef de l'État, le président Macky Sall, lors de l'élaboration de la nouvelle politique sportive. Ces actions qui tournent autour de 4 piliers principaux, qui sont la bonne gouvernance, donc la révision des textes qui régissent le sport sénégalais. Cette révision a nécessité la mise en place en 2013 d'un groupe de travail qui nous a remis ses conclusions. Il reste maintenant à appliquer ou à faire voter la loi portant sur les activités sportives et physiques et les différents décrets d'application et les arrêtés qui les accompagnent. Il reste aussi que nous allons mettre en place le décret portant organisation du Fonds national de développement du sport pour véritablement participer à la concrétisation d'un autre pilier que constitue le financement du sport. Mais également, le mouvement sportif va mettre en place une fondation nationale du sport. L'un dans l'autre, plus les efforts faits dans le cadre de l'augmentation du budget d'investissement, nous arriverons peut-être à réaliser le financement du sport sénégalais dans des conditions très correctes. Mais financer le sport sénégalais et revisiter ses textes réglementaires et législatifs ne peut pas nous permettre d'avoir un bon sport si nous n'avons pas une bonne infrastructure. Et à ce niveau, comme je l'ai dit tout à l'heure, le budget d'investissement s'accroissant pour tendre vers 1% va nous permettre de réaliser un certain nombre d'infrastructures. C'est ainsi que la réfection des stades Léopold Sédar Senghor, des stades Demba Diop, mais la finition des travaux du stade Lat Dior de Thiès constituent des surpriorités. Il s'y ajoute que l'État du Sénégal, bénéficiant d'un accord de coopération avec la Chine, est en train de réaliser l'une des dernières infrastructures sportives dans le cadre d'une convention liant l'État du Sénégal à la République populaire de Chine. Il s'agit du stade Aline Situé Diata de Chiguinchor. En 2013, nous avons réceptionné les stades de Fatick, les stades Caroline Faye de Mbour, mais les stades de Kolda, les stades de Tambacounda, et cela a permis d'améliorer le tissu infrastructurel de nos stades, de nos stades. Nous allons recevoir en 2014 les stades de Matam et ceux de Saint-Louis. Et l'un dans l'autre, la politique sportive qui a été arrêtée en Conseil des ministres, se basant sur 4 piliers, est en train petit à petit de réaliser véritablement les attentes du mouvement sportif. Il reste enfin le problème de la formation. Vous savez, le ministère des Sports est l'un des ministères qui a le moins de cadres dans cette administration. Et conscient de cela, le président de la République nous a instruit d'élaborer une réflexion sur la formation générale des cadres. Ce document a été déjà achevé et il va être validé et partagé par l'ensemble des acteurs pour qu'enfin nous puissions rechercher son financement. C'est dire que, en collaboration avec le Comité olympique sportif sénégalais, nous sommes en train de remettre un peu de l'ordre dans le cadre de l'administration et de la gestion des différentes structures sportives sénégalaises. C'est ainsi que la plupart des conflits qui naissent dans les différentes fédérations sont en train d'être gérés par le Comité olympique sportif sénégalais
et qui est en train de mener une véritable médiation. Mais 2014 aussi va nous permettre de participer au jeu de la jeunesse. 2014 va nous permettre de participer également à plusieurs compétitions. Et pour cela, nous sommes en train de voir avec le comité olympique sportif comment faire en sorte que la répartition des crédits destinés aux compétitions internationales puisse être véritablement, qu'un arbitrage puisse avoir lieu. Enfin, nous souhaitons qu'avec 2014, que nous allons connaître plus de succès dans le cadre des compétitions internationales. Ma qualité de président de la Confédération africaine d'escrime, mais également à mes qualités de membre du Conseil supérieur du sport en Afrique, de faire en sorte que les Jeux africains qui sont en train de se préparer pour 2015 puissent connaître véritablement un aboutissement heureux. Parce que n'oublions pas que ça va être le 50e anniversaire des Jeux africains. Les premiers Jeux ont eu lieu à Brazzaville il y a 50 ans de cela. Nous allons repartir encore à Brazzaville en 2015 pour véritablement célébrer le cinquantenaire de ces Jeux. Mais avant cela, nous aurons les Jeux de la jeunesse à Botswana. Et avant cela aussi, nous aurons les Coupes du monde s'agissant de l'escrime, les championnats du monde s'agissant de l'escrime, mais également les championnats d'Afrique. Donc, au mouvement sportif africain, nous souhaitons une bonne et heureuse année 2014. Plein de succès et que 2014 soit également l'année où le sport africain connaîtra un nouveau essor dans la mesure où nous tous nous avons espoir que 2014 sera l'année où l'Afrique va continuer toujours à s'affirmer sur les pistes, les plateaux, mais également les terrains du monde. Merci beaucoup.